towels is back. The towels is back. Bonjour et bienvenue sur fourgonlecite.com pour cette nouvelle vidéo. Nous avons la chance aujourd'hui d'essayer en avant-première le Dreamer D43 Up en finition Red Addict. C'est la plus aboutie des trois versions disponibles pour ce modèle et c'est aussi la plus chère. Qu'a-t-il de si particulier ce D43 ? Trois choses. D'abord, un toit relevable. Pas très discret, c'est vrai, mais il permet d'avoir quatre vraies places couchage dans 5,41 m. Aussi, un toit panoramique vitré Skyview. C'est la grande tendance de la saison. Et puis enfin, un suréquipement, la fameuse finition Red Addict, qui lui donne un look incroyable. Vous le savez, le toit relevable, c'est un équipement qui a plein d'avantages, mais il a l'inconvénient de supprimer toutes les ouvertures en partie haute. Sauf sur ce Dreamer D43, qui possède en complément, et c'est la première fois, un toit panoramique vitré juste au-dessus de la cabine. C'est un vrai plus en cette saison où la lumière se fait rare. Ce Skyroof, il est en verre, aussi résistant et rigide qu'un pare-brise. Sur la route, nous n'avons constaté aucun sifflement. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez comment c'était avant, mais la découpe de cabine libère complètement la hauteur. Vous voyez, je peux me tenir debout sans me baisser. Sur un fourgon aussi compact, c'est un vrai plaisir. Dreamer soigne l'environnement intérieur, des éclairages intégrés, des bandes LED et une sellerie façon cuir. Nous, on aime bien la table de grande largeur et la profondeur de dinette qui permet de manger face à face. Ce n'est pas toujours le cas sur un fourgon aussi court. Côté cuisine, on apprécie les grands tiroirs très profonds et vraiment solides, dans lesquels on n'aura aucun mal à ranger la vaisselle et les casseroles. Une tablette vient prolonger le plan de travail. On pourra discuter de la pertinence du frigo en partie basse, pas forcément pratique. Par contre, on récupère une petite penderie en partie haute, c'est toujours ça de prix. Pour la nuit, on pourra compter sur le lit double sous le toit relevable. Alors ici, on profite d'un super confort avec un lit de 130 cm par 200, des dimensions supérieures à celles du lit transversal arrière en partie basse. Le matelas de 6 cm repose sur un sommier à coupelle Froli. Alors par contre, en partie haute, pas de chauffage, donc à la mi-saison, on prévoira une bonne couette. À l'arrière, le lit transversal de bon confort s'étire sur 1,92 m de longueur et 1,30 m aux épaules. Par contre, il se réduit à 1,10 m au pied pour faire de la place à la salle d'eau attenante, pas bien grande. En l'absence de lanterneau, la petite baie latérale assure la ventilation. Pour le rangement, on pourra compter sur la soute, dont le sol est recouvert d'un revêtement façon grainerie qui résiste aux abrasions. Le coffre gaz, lui, est un peu encombrant dans la mesure où le chauffage fonctionne non pas au gaz, mais au diesel. Alors, ce D43 Up Red Addict, qu'est-ce qu'on en pense? Bien sûr, le prix de cette version suréquipée s'éloigne beaucoup du prix de départ du D43 sans toit relevable ni Skyview. Presque 8000 euros d'écart, ça fait réfléchir. Pour abaisser un peu le budget sans trop perdre au change, on pourra lui préférer le D43 Up, une version intermédiaire, avec toit relevable et Skyview, mais sans suréquipement. Avant de nous quitter, ajoutons qu'en facturant l'ensemble toit relevable plus Skyview à 4600 euros, Dreamer s'en sort plutôt très bien face à la concurrence. Chez certains, c'est le prix du toit relevable seul.